Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, eh bien, c'est un cours qui va être, encore une fois, puisque c'est l'idée de cette série consacrée au conditionnel présent. Donc nous allons faire des cours sur le conditionnel présent, comme nous l'avons fait hier sur le passé composé, avant-hier sur le futur simple et avant-avant-hier sur le présent. Ça va être en français aujourd'hui, donc j'espère que ça ne posera aucun problème. Regardons qui est là. Je dis bonjour Stardust, Tatiana est là aussi, bonjour, Amina Amona est là. Mohita est avec nous, Shahi bonjour, Cassandra bonjour, qui est-ce qu'il y a d'autre? Alors je regarde, Gloria est avec nous, bonjour Gloria, Yossi est là, bonjour, Désiré est là aussi, Victoria Thomas, coucou, Romande est avec nous aussi, Lenny, bonjour à vous Lenny, qui est-ce qu'il y a d'autre? Alors attendez, je regarde, Cosmina est là, Victoria Posse est avec nous, Mohamed est là aussi, Morita est là, je ne vois plus, Jonah Edwards est là aussi, Self Education est avec nous, ah, ça discute, hein. Tenzing est là aussi, Lynn est là, Johanna est là, Vouslat est là, bonjour, ben écoutez, bonjour à tout le monde en tout cas, j'espère que vous allez très très bien, et Ice Cubes qui nous rejoint aussi avec de la musique. Et Cherylyn est là aussi. Bonjour. Combien de kilomètres, Cherylyn? Difficile parce que j'étais à l'extérieur avec Nicolas. Nous avons marché, nous avons fait du sport. Donc je n'ai pas... Mais c'était sportif. C'était sportif, je vous l'assure. Allez, je regarde, Thomas nous rejoint aussi, bonjour, qui est-ce qu'il y a d'autre? Irina qui nous rejoint, très bien, ben les gens se saluent et c'est bien. Donc aujourd'hui, nous allons eh bien, faire des exercices sur le présent du conditionnel, le conditionnel présent. Le conditionnel est un mode et donc là, nous allons uniquement nous intéresser au présent de ce mode. Et on va commencer avec, comme d'habitude, les verbes réguliers du premier groupe. Je le rappelle, trois groupes de verbes en français. Le premier, les verbes qui finissent en ER, à l'exception d'aller, mais ce sont des verbes qui sont réguliers. Si on va prendre, bien sûr, un verbe extrêmement régulier, celui que nous prenons systématiquement, c'est le verbe parler. Et le verbe parler, au singulier, s'il vous plaît, donnez-moi les trois formes. Je, tu, il, elle, on. Au conditionnel présent. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, Stardust qui demande si la leçon est en anglais aujourd'hui. Non. Non, aujourd'hui, ça n'est pas en anglais. Cette semaine, j'ai décidé que, à l'exception de la première qui était en anglais pour le présent, mais je pense que ce serait bien de les faire en français pour cette semaine, en tout cas. Voilà, quand on parle ici du conditionnel présent, j'imagine qu'avec les traductions, ça sera pas problématique. «
Alors, regardons ensemble. La construction du conditionnel présent, c'est un petit peu la même construction que la construction du futur simple. Ça veut dire que nous allons avoir besoin d'un radical. Le radical ici, pour les verbes du premier groupe, il y a bien sûr quelques exceptions, mais on va dire que la plupart des verbes du premier groupe, vous allez finalement garder votre infinitif. Notre infinitif, vous voyez, c'est parler. Nous gardons l'infinitif et nous mettons les terminaisons du conditionnel présent. Pour je, la terminaison c'est A-I-S. Je parlerai. Pour tu, la terminaison c'est A-I-S. La même, tu parlerais. Et finalement, pour il, elle, on, la terminaison c'est A-I-T. Il parlerait, elle parlerait, on parlerait. Chose importante, nous écrivons ces terminaisons de façon différente, mais nous allons prononcer A-I-S et A-I-T de la même façon. Donc finalement, pour ces trois personnes, c'est la même forme phonétique, parlerai. Je parlerai, tu parlerais, il parlerait, elle parlerait, on parlerait. D'accord ? Maintenant, regardons eh bien, les trois personnes du pluriel. Les trois personnes du pluriel, s'il vous plaît, nous, vous, il, elle, au pluriel, allez-y. Alors, je regarde les formes. Ah tiens, je n'avais pas vu, Annabelle est là aussi. Coucou Annabelle, comment ça va? Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Alors oui, pour l'instant, c'est très très bien, félicitations. Regardons. Donc nous avons... Oups! Alors là, bravo Vincent, donnez-moi une toute petite seconde. Incroyable. Allez, voilà, corrigé, excusez-moi. Aujourd'hui, c'était un jour un peu spécial puisque Nicolas ne va pas à l'école. Donc, j'ai beaucoup passé de temps avec lui. Nous étions à l'extérieur parce qu'il fait très, 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 très beau. Et donc, nous avons joué. Mais peut-être qu'il y a
peut-être quelques erreurs parce que j'étais moins concentré sur la préparation. Luciana est là, bonjour. Donc, regardons ensemble exactement la même chose. Nous prenons effectivement l'infinitif. L'infinitif nous sert de radical. Ensuite, la terminaison. Terminaison pour nous, eh bien, ce sera I-O-N-S, nous parlerions. Ensuite, la terminaison pour vous sera I-E-Z, vous parleriez. Et finalement, la terminaison pour il, elle, au pluriel, A-I-E-N-T, vous prononcez uniquement est. D'accord ? Il parlerait, elle parlerait. Donc, nous parlerions, vous parleriez, il parlerait, elle parlerait. D'accord ? L'intégralité des formes. Je parlerai, tu parlerais, il parlerait, elle parlerait, on parlerait, singulier. Nous parlerions, vous parleriez, il parlerait, elle parlerait. Donc ce qui est très important, c'est de vous souvenir que je, tu, il, elle, on au singulier, il, elle, au pluriel, c'est la même forme phonétique, c'est parlerait. D'accord ? Donc finalement, vous avez trois formes phonétiques. Vous avez parlerait, vous avez parlerions et vous avez parleriez. D'accord ? Alors maintenant, bien évidemment, on va faire un petit exercice. Alors, notre exercice, hein, comme nous l'avons fait avant, trois phrases. Ces phrases seront au conditionnel présent. Et donc, l'idée, ça va être de les traduire de l'anglais vers le français avec en tête le fait que vous devez utiliser un verbe du premier groupe. Et bien sûr, ce verbe doit être conjugué au conditionnel présent. Première chose... I would meet my best friend. Attention, best friend, s'il vous plaît, doit être au féminin. Allez-y. Alors, je regarde, ça commence à arriver. Oui, le verbe ici, idéalement, c'est le verbe rencontrer. Le verbe rencontrer, donc c'est un verbe du premier groupe. Nous allons procéder exactement comme nous avons fait pour le verbe parler. Nous prenons l'infinitif. Cet infinitif sera notre radical, notre base. Rencontrer. Et ensuite, nous allons mettre la terminaison. Terminaison pour je, a, i, s. Je rencontrerai. Et j'avais dit le féminin. D'accord ? Ma meilleure au féminin avec le e à la fin. Ami au féminin aussi avec le e à la fin. Je rencontrerai ma meilleure amie. D'accord ? Allez, on va continuer avec la deuxième phrase. I would show her my favorite places in Paris.
s'il vous plaît, traduction en français avec un verbe du premier groupe et bien évidemment ce verbe au conditionnel présent. Allez-y. Alors, Liliana nous rejoint. Bonjour Liliana pour les autres. Bonjour, bonjour. Alberto nous rejoint. Mac nous rejoint aussi. Comment allez-vous? Alors, ma phrase, vous la voyez, je lui montrerai mes endroits préférés à Paris. Donc, première chose, le verbe montrer. Verbe régulier du premier groupe, c'est ce que je vous demandais. Nous allons mettre ce verbe au conditionnel présent. Nous ajoutons juste notre terminaison A-I-S. Montrerai. Notre pronom doit être avant, pronom complément d'objet indirect, hein, lui. Même si c'est pour une personne féminine, eh bien c'est toujours lui, souvenez-vous. Troisième personne du singulier, masculin ou féminin, c'est le même pronom pour les pronoms complément d'objet indirect. Je lui montrerai. Après, mes endroits, Juan propose mes lieux, je dis d'accord, Alama mes places, non. Attention, place c'est un anglicisme et c'est une erreur. Donc on n'utilise pas place en français pour exprimer endroit ou lieu. Lieu je l'accepte, hein, on est d'accord. Préféré, masculin, endroit, lieu, masculin, donc préféré, masculin. Pluriel, P-R-E accent aigu, F-E accent aigu, R-E accent aigu, S. D'accord? Et puis à Paris, préposition A. Si vous préférez favori, pourquoi pas? En général, on utilise plutôt préféré, mais favori, ça pourrait marcher. Pas de problème. Favorite, faites attention, Yossi, puisque favori n'est pas écrit comme ça. Et de toute façon, ce serait favori, IS, hein, puisque c'est masculin ici. Allez, on regarde. Alama, la place d'Italie. Ben oui, mais j'habite en dessous. sur les gobelins. Moi, je suis sur l'avenue des gobelins. Alors, numéro 3, on y va. We would walk all day. Allez-y, s'il vous plaît. Alama qui dit « Ah oui, c'est génial, ah oui, la place d'Italie, derrière Porte d'Italie, quartier chinois, ça c'est formidable, moi j'adore ce coin. » Alors bon... Effectivement, avec la traduction du « oui », on a deux options. On a l'option « nous », et moi je vous propose en général de travailler sur le « nous » parce que
pour la conjugaison, c'est toujours un petit peu plus intéressant de maîtriser cette forme. Mais bien sûr, si vous parlez que ça n'est pas formel, très facilement, on utilise « on ». D'accord ? Donc, si vous avez utilisé « on », il n'y a pas de problème. C'est la forme que vous allez probablement utiliser quand vous discuterez avec des amis. Mais nous, pour le cours, nous allons justement essayer de travailler sur le « nous » pour voir la forme. Donc, le verbe, c'est le verbe « marcher ». Nous sommes d'accord. Nous prenons notre infinitif « marcher », nous l'utilisons comme « radical » et nous mettons la terminaison « ions ». Nous marcherions, d'accord ? Ça, ça va être la forme. Nous marcherions. Après, donc, « journée », c'est féminin. Donc, la journée, et donc, automatiquement, eh bien, tout doit être au féminin, puisque « journée » est féminin. Nous marcherions toute la journée. Alors, Désiré va sur « nous nous promènerions toute la journée ». C'est un tout petit peu différent, mais bon, on peut l'accepter. Si vous voulez, il y a une petite nuance, nous sommes d'accord, entre « marcher » et « se promener ». Marcher, c'est juste, tout simplement, le fait de marcher avec ses jambes. Se promener, c'est marcher pour le plaisir, on est d'accord. Donc c'est comme vous voulez, nous nous promènerions, si vous voulez, nous marcherions toute la journée. Merci. Alors Monique nous rejoint, bonjour Monique, comment ça va ? Alors, le français du Québec. Nous avons commencé avec ça il y a quelque temps déjà et nous allons continuer depuis, je crois que c'était cette semaine, hein, on a commencé à travailler sur les anglicismes du Québec qui sont particuliers au Québec et qui ne sont pas les mêmes en France. Donc, c'est pour ça que c'est assez intéressant. Alors, on va commencer avec la première chose. La première chose, vous allez l'écouter et vous allez, s'il vous plaît, écrire ce que vous entendez. On y va. Watcher. 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 Allez-y, s'il vous plaît, écrivez ce que vous avez entendu. Alors, je vois que Leslie est là. Bonjour Leslie. Oh, Johanna, je ne vous avais pas vu. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Bonjour Johanna, comment ça va ? Alors, et oui, regardez. Alors ça, c'est très intéressant parce que on l'écrit comme ça. Watcher. J'imagine que comme c'est un anglicisme, il y a probablement une tolérance pour l'écriture. Peut-être qu'on peut l'écrire avec un W, je ne sais pas. Mais watcher, c'est garder à l'œil. Garder à l'œil, garder à l'œil quelqu'un ou quelque chose. Bien sûr, c'est du verbe en anglais to watch qu'on a francisé. Et donc, comme j'ai expliqué, on utilise le verbe et on le met en général et presque dans la plupart des cas dans le premier groupe. Watcher, je watch, tu watch, il, elle watch, nous watchons, vous watchez, il, elle watch. Alors, ça c'est un anglicisme qui n'existe pas en France. Donc en France, nous n'utilisons pas le verbe
watcher. Mais je trouve que c'est vraiment toujours très très intéressant de voir les néologismes dans les autres pays francophones. Écoutez encore une fois le verbe. Watcher. Watcher. Donc le verbe watcher, eh bien c'est tout simplement garder à l'œil. On continue. Watcher. Merci beaucoup. On continue avec le numéro 2. Le numéro 2, le voici, le voilà. C'est la même chose. Vous écoutez, vous écrivez, s'il vous plaît. Plugger. 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 Allez, écrivez-moi le verbe, s'il vous plaît. Alors, je regarde, ça commence à arriver. Chériline, c'est toujours très intéressant parce que là, Chériline, elle est un petit peu dépassée. et c'est vrai que c'est très intéressant. Comment l'écrire? Regardez, regardez l'écriture, c'est pas mal. C'est plugger, P-L-O-G-U-E-R. Plugger, et donc plugger, eh bien ça vient de to plug en anglais, bien sûr, et c'est brancher, brancher. Connecter, c'est plugger. Plugger, encore une fois, verbe régulier, verbe du premier groupe. Je plug, tu plug, il plug, nous plugons, vous pluguez, il, elle plug. Voilà, on va l'écouter, si vous voulez bien. On va l'écouter encore une fois. Plugger. Plugger. Voilà, effectivement. Alors faites attention, Liliana, parce que si on l'écrivait avec un U, on le prononcerait pluguer. Donc on ne peut pas l'écrire avec un U, puisque dans ce cas-là, ce serait un petit peu étrange. Donc la retranscription du pla, pla, plug, ça va être avec un O, puisque le O est très proche, plug, hein, pluguer, voilà. Allez, on continue avec, eh bien, la troisième chose, la voici, la voilà. Puncher, 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 puncher. Allez-y. Alors, puncher, puncher, vous l'écrivez comme ça, hein, c'est assez intéressant, P-U-N-C-H-E-R. Et donc, ça veut dire donner un coup de poing. Donner un coup de poing, bien sûr, ça arrive du verbe to punch. Et donc, écoutons-le encore une fois, écoutons ce qu'il prononce, et on y va. Puncher. Voilà, puncher, encore une fois, l'accent. Puncher. L'accent québécois, il faudra vous y faire. Je regarde Julia qui dit crunchy. Mais non, crunchy. Allez, on continue avec le numéro 4. Le numéro 4, on y va, c'est toujours des anglicismes. Allez. Rocher. 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 Allez-y. Thank you.
Rocher. Alors, voici le verbe. Le verbe, c'est rusher, effectivement. Donc, ça vient effectivement de to rush en anglais, qu'on a francisé, encore une fois. Hein. Donc, comme d'habitude, on le met comme verbe du premier groupe. Je rush, tu rush, il rush. Nous rushons, vous rushez, il rush. Se dépêcher, faire quelque chose rapidement, faire à la hâte, c'est rusher. Donc, encore une fois, hein, un anglicisme qui existe au Canada, au Québec, mais qui n'existe pas en France. Mais si vous discutez avec des Québécois, eh bien, vous pourrez probablement entendre ces expressions, puisque ce sont des expressions tout à fait normales pour les Canadiens ou les Québécois. Voilà, attention, le dernier pour les anglicismes québécois du jour, c'est le numéro 5, et on y va. Écoutez et écrivez. Spotter, 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 spotter. Allez-y, s'il vous plaît. Spotter. Alors ici, oui, vous l'avez entendu, donc spotter, vous voyez qu'effectivement ça vient de to spot. Dans ce cas-là, la signification c'est apercevoir, remarquer quelque chose, c'est spotter. Spotter, verbe régulier encore une fois, hein. Donc je spot, tu spot, il spot, nous spotons, vous spottez, il spot. Voilà, même chose ici, hein, un anglicisme qui est particulier au Canada ou au Québec, mais pas la France. Donc on écoute encore une fois. Spotter. Voilà. Spotter, verbe régulier, et c'est la fin de notre exercice sur les anglicismes québécois. Voilà. Alors, nous continuons avec notre fil rouge, et notre fil rouge aujourd'hui, c'est le conditionnel présent, c'est-à-dire le présent du mode conditionnel. Nous avons déjà vu les verbes du premier groupe, nous allons maintenant nous intéresser aux verbes du deuxième groupe, donc les verbes qui se terminent en IR. Pas tous les verbes en IR, mais la grande majorité. Le verbe que nous allons choisir, c'est le verbe finir, grand classique du deuxième groupe. S'il vous plaît, commençons avec le singulier. Le singulier, eh bien, finir, s'il vous plaît, donnez-moi pour le conditionnel présent je, tu, il, elle, on. Allez-y. Alors Renato, maintenant là, après la langue française, je préfère le belge. Renato, nous allons travailler sur le belge, nous allons travailler bien sûr sur le suisse aussi, et nous allons nous intéresser aussi aux autres prononciations dans les pays d'Afrique. Personnellement, mon accent préféré, celui que je trouve vraiment très très joli, c'est l'accent de Tahiti. À Tahiti, il y a un accent qui est délicieux.
Alors, regardons ensemble. Oui, c'est la même chose. Hein. Notre infinitif, finir, nous servira de radical. C'est-à-dire que nous allons utiliser finir comme ça. Et vous allez ajouter les terminaisons. A-I-S. A-I-S pour je, comme on a vu. Je finirai. A-I-S pour tu. La même forme. Tu finirait. A-I-T pour il, elle, on, même prononciation, il finirait, elle finirait, on finirait. La même forme phonétique, je finirais, tu finirais, il finirait, elle finirait, on finirait. S'il vous plaît, donnez-moi le pluriel maintenant, donnez-moi nous, vous, il, elle. Allez-y. Alors, J. Vincent, le français de Haïti, oui, si vous voulez. Il faut juste que je trouve les sources, mais oui, oui, pas de problème, pas de problème. Alors, je regarde vos formes et c'est parfait. Effectivement, donc encore une fois, notre infinitif va nous servir de radical. Finir plus les terminaisons. Terminaison pour nous, I-O-N-S, comme nous avions, nous finirions. Terminaison pour vous, I-E-Z, vous finiriez. Et finalement, une petite seconde, je clique. Terminaison pour il, elle, A-I-E-N-T, il finirait, elle finirait. Encore une fois, je finirai, tu finirais, il, elle, on finirait. Et souvenez-vous, pour le pluriel, il finirait, elle finirait. D'accord ? La même forme. Ensuite, nous finirions, vous finiriez. D'accord ? Allez, j'espère que c'est clair. On va attaquer l'exercice. Alors, exercice de traduction, encore une fois avec trois phrases. Ces phrases seront en anglais. Vous allez me les traduire avec un verbe du deuxième groupe qui finit en IR. Et ce verbe, bien sûr, devra être au conditionnel présent. On attaque avec la première phrase. We would manage to eat well in small restaurants. S'il vous plaît. Traduction avec un verbe du deuxième groupe et le conditionnel présent. Merci. Alors, je vois Omar qui nous rejoint. Bonjour Omar, comment ça va ? Thank you.
Alors ici encore, hein, bien sûr, nous pourrions utiliser le on, c'est clair. Mais pour l'exercice, je vais utiliser le nous, juste pour vous donner la possibilité de travailler sur la forme nous. Donc le verbe c'est réussir. Ça c'est clair, verbe du deuxième groupe, je réussis, tu réussis, il réussit, nous réussissons, vous réussissez, ils réussissent au présent. Nous allons l'utiliser ici au conditionnel présent. Donc réussir sera notre base, notre radical. Et nous allons mettre I-O-N-S à la fin. Nous réussirions. Et puis après ça, à bien manger. Manger doit être à l'infinitif puisqu'il est deuxième. Le deuxième verbe est dans des petits restaurants. Si vous dites dans les petits restaurants, faites attention parce que je vais poser la question. Mais quel petit restaurant? Donc, en général, dans des petits restaurants. Restaurant est un mot qui est un mot masculin. Il est masculin pluriel, ici vous voyez. Donc petit doit être masculin pluriel. P-E-T-I-T-S. Allez, Emwell nous rejoint. Bonjour Emwell, on n'oublie pas de cliquer sur le like. Merci beaucoup. Deuxième phrase à traduire. We would end up walking the street of Paris at night. S'il vous plaît, traduction avec un verbe du deuxième groupe et au conditionnel présent. Merci. Alors, je regarde. Voilà. Alors, moi, je vous propose, nous finirions en marchant dans les rues de Paris la nuit. Donc, le verbe ici, c'est le verbe finir. Finir, verbe du deuxième groupe, que nous mettons ici au conditionnel présent. La personne, c'est toujours nous. Donc la terminaison, c'est toujours I-O-N-S. Nous finirions. Nous finirions en marchant. J'avais mis, certaines personnes disent nous finirions par marcher. Pourquoi pas par marcher? Bon, je préférerais en marchant parce que je trouve que c'est bien. Même chose, faites attention, Cassandra, promener. J'ai expliqué que c'était légèrement différent. Dans les rues, bah écoutez, de Paris et la nuit, ça, c'est pas très difficile. Cassandra, le soir, non, le soir, c'est vraiment the evening. Ici, c'était night. Et j'avais envie vraiment de mettre la nuit parce que c'est plus sympathique. Et c'est très sympathique de se promener dans les rues de Paris la nuit. Voilà, nous finirions en marchant dans les rues de Paris la nuit. Numéro 3, regardez. We would choose to talk about funny things. S'il vous plaît, un verbe du deuxième groupe et ce verbe doit être au conditionnel présent. Allez-y. Alors, Victoria Jacques nous rejoint. Elle a fait un gros dodo. Et ça, c'est très très bien. Victoria Jacques, il faut dormir.
Alors ici, le verbe c'était choisir, un verbe c'est évident, je pense, tout le monde l'a trouvé. Donc choisir, verbe du deuxième groupe, donc ça c'est formidable. On utilise l'infinitif comme radical. On met la terminaison I-O-N-S, d'accord ? Nous choisirions, ça c'est notre conditionnel présent, de parler, d'accord ? Parler de choses, certaines personnes mettent sujet, pourquoi pas ? Alors, de choses drôles, de sujets drôles, je l'accepte. Victoria Posse nous dit de choses amusantes. Pas de problème aussi. Juan, attention, chose, c'est féminin, donc amusante doit être au féminin pluriel. Cassandra, des choses drôles. Oui, c'est bien. Donc, chose drôle, sujet, vous, cela va sur sujet. Oui, pourquoi pas. Bon, des sujets, c'est un petit peu, c'est pas naturel hein, de dire sujet, mais bon, pourquoi pas. Ice Cubes, des choses comiques. Oui, pourquoi pas. Comique, bon, c'est pas le premier, hein, mais drôle, amusante, ça pourrait marcher. Très bien. Merci beaucoup. Alors, la chanson du jour. C'est vraiment une chanson que j'ai fait tourner en boucle. J'adore cette chanson. C'est une chanson d'un artiste qui est très très populaire en France et qui s'appelle Christophe Maé. Une voix incroyable, en général des chansons vraiment sympas. La chanson s'appelle « Tu verras ». Et donc, c'est la chanson sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui. Bien sûr, j'ai mis la chanson dans la playlist de YouTube, et c'est tout. J'ai pas mis dans la playlist de Spotify aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps. Donc, elle est là, zoup, vous le voyez ici, c'est la playlist de YouTube. Et Christophe Maé, tu verras, une chanson très très belle, très touchante à mon avis, et nous allons la découvrir ensemble. Attendez, je clique, voilà, on y est. Tu verras, mon enfant, comme le temps trace. Comme le temps passe vite, tu verras, mon enfant, en attendant, profite et dis-toi souvent que la vie est plutôt jolie. Tu verras, mon enfant, comme le temps trace, comme le temps passe vite, tu verras, mon enfant, en attendant, profite. Et dis-toi souvent que la vie est plutôt jolie. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, regardons les choses qui manquaient. La première chose, eh bien, c'est enfant. Enfant est un mot qui est un mot masculin. Un enfant, et on l'écrit E-N-F-A-N-T. Ensuite, vite. Vite, c'est un adverbe. Un adverbe qui est relativement clair en général. Oui, vous l'avez bien écrit. Attention, donc V-I-T-E. Hein, on n'oublie pas le E à la fin. Tu verras, donc Victoria Posse demandait futur simple, eh bien oui.
V-E-R-R-A-S. C'est le futur simple du verbe voir. Nous sommes d'accord, hein? Tu verras. V-E-R-R-A-S. Et puis souvent. Souvent, c'est un adverbe et on l'écrit S-O-U-V-E-N-T. Allez, deuxième chose de cette chanson magnifique, à mon avis, bien sûr, je ne suis pas objectif, je suis subjectif, ça c'est clair. Ouais, tu verras, mon enfant, comme les amours fanent, les amis passent vite, tu verras, mon enfant, les épines qui abîment, mais dis-toi souvent que la vie est plutôt jolie, jolie, jolie. Ouais, tu verras, mon enfant, comme les amours fanent, les amis passent vite. Tu verras, mon enfant, les épines qui abîment. Mais dis-toi souvent que la vie est plutôt jolie, jolie, jolie. Allez, si on regarde les choses qui manquaient, la première chose, eh bien, c'est « ouais ». Alors, « ouais », faites très attention parce que, bien sûr, c'est une forme assez familière de « oui ». N'utilisez pas « ouais » dans toutes les situations. Comme d'habitude, vous pouvez l'utiliser si la situation est très, très informelle, si la situation est formelle ou si c'est un contexte professionnel, faites attention. Utiliser oui. Ouais, on va l'écrire. O-U-A-I-S. Ouais, 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 c'est comme ça qu'on le prononce. Deuxième chose, c'est le verbe passer. Le verbe passer, verbe régulier du premier groupe, qui est ici la troisième personne du pluriel, P-A-S-S-E-N-T. Les épines, épines, substantif, c'est féminin, une épine, ici c'est au pluriel, E accent aigu, P-I-N-E-S. Et la dernière chose, c'est la vie. La vie, c'est un substantif, et c'est féminin. Une vie, la vie, V-I-E. On continue avec la troisième chose. Joli comme un bouquet de roses qui dépose à tes pieds l'amour, la douceur aux couleurs de l'été, comme un bouquet de pleurs qui dépose dans ton cœur des tristesses et des peurs, des peurs. Joli comme un bouquet de roses qui dépose à tes pieds l'amour, la douceur aux couleurs de l'été, comme un bouquet de pleurs qui dépose dans ton cœur des tristesses et des pleurs, des peurs. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, Yesero, est-ce que je peux utiliser « ouais » avec des personnes âgées que je rencontre pour la première fois ? Yesero, mon conseil, c'est non. Non, non, non. Évitez. Ça dépend du contexte, ça dépend des situations, ça dépend des personnes, mais ma première réaction, Yesero, c'est non. Utilisez « oui »
et adaptez-vous en fonction. C'est comme une danse, hein. Vous dansez, mais vous voyez le rythme de la personne et après, vous voyez comment on danse. Alors, regardons ensemble les choses qui manquaient. La première chose, c'est un substantif et c'est le mot bouquet. Le mot bouquet, c'est masculin. Un bouquet, le bouquet. Vous l'écrivez B-O-U-Q-U-E-T. Ensuite, les couleurs. Alors, couleurs, ici, c'est au pluriel. Mais, c'est un substantif qui est féminin, une couleur, d'accord? Donc pluriel ici, avec le S à la fin, c'est O-U-L-E-R-S. Ensuite, un bouquet de pleurs. Alors Julia qui dit, c'est de la poésie. C'est de la poésie, mademoiselle. Un bouquet de pleurs, c'est très joli. C'est très très joli, c'est très délicat. Bien sûr, ça n'est pas un bouquet de fleurs, mais c'est un bouquet de pleurs. Et là, c'est très très poétique. Pleurs, on l'écrit P-L-E-U-R-S. Puisque les pleurs, hein, ça peut être au pluriel, bien sûr. Ici, tristesse, la dernière chose qui est au pluriel ici. Tristesse, substantif féminin. Hein. La tristesse, mais ici, c'est les tristesses. T-R-I-S-T-E-S-S-E-S. Voilà. On continue avec la quatrième chose. Tu verras, mon enfant, la gloire fait des amis, la défaite en fait le tri. Tu verras, mon enfant, ceux qui gagnent à la fin sont pas seulement les gentils. Et là, tu diras souvent que tout n'est pas joli, joli, joli. Tu verras, mon enfant, la gloire fait des amis, la défaite en fait le tri. Tu verras, mon enfant, ceux qui gagnent à la fin sont pas seulement les gentils. Et là, tu diras souvent que tout n'est pas joli, joli, joli. Alors Ice Cube, je suis tombée amoureuse de sa voix avec la guitare. Merci pour le partage. Elle est vraiment sympa cette version. La version acoustique que j'ai mise, il y a tout un concert Ice Cube. Et si vous aimez écouter, c'est vraiment sympathique. Ma fille était très fan. Elle était amoureuse. Elle avait les posters dans sa chambre. Maintenant, ça a changé. Allez, si on regarde les choses, la première chose, c'est un substantif et c'est gloire. Gloire, ben c'est féminin. La gloire, une gloire. On écrit ça G-L-O-I-R-E. Ensuite, mon enfant, donc ici mon, hein, le possessif, M-O-N, gagne le verbe gagner, troisième personne du pluriel, G-A-G-E. N-E-N-T. D'accord ? Allez, on continue avec numéro 5. Numéro 5. Et tu verras, mon enfant, tout ce que l'école ne t'apprend pas, ouais, tu verras, mon enfant, l'important c'est d'être toi. Et souviens-toi souvent, comme tu es jolie, jolie, joli. Et tu verras, mon enfant, tout ce que l'école ne t'apprend pas, ouais, tu verras, mon enfant, l'important c'est d'être toi,
Et souviens-toi souvent comme tu es jolie, jolie, jolie. Allez-y, s'il vous plaît. Allez, si on regarde les choses qui manquaient, c'est école, école et substantif, c'est féminin, une école, E accent aigu, C-O-L-E. Ensuite, c'est important, I-M-P-O-R-T-A-N-T, ça vous l'avez bien écrit. L'important, faites attention, ce n'était pas l'importance, mais c'est l'important. Et finalement, comme, on l'écrit C-O-M-M-E. Chalini nous rejoint. Bonjour, bonjour. Allez, on continue. Et je ne sais pas si ce sera la fin, mais je pense. C'est vraiment une chanson sympathique. Moi, je l'aime bien. Je suis comme Ice Cube. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Christophe Maé, il est vraiment sympa. Et tu verras, mon enfant, c'est pas la fête chaque jour, mais chaque jour se fête. Tu verras, mon enfant, des soirs de victoire et des matins de défaite, mais répète-toi souvent que la vie est jolie, jolie, jolie. Et tu verras, mon enfant, c'est pas la fête chaque jour, mais chaque jour se fête. Tu verras, mon enfant, des soirs de victoire et des matins de défaite, mais répète-toi souvent que la vie est jolie, jolie, jolie. Allez-y. Allez, les trois choses qui manquaient, la fête, une fête, substantif féminin, et vous l'écrivez, F-E, accent circonflexe, T-E, victoire, substantif féminin, une victoire, V-I-C-T-O-I-R-E, et finalement le verbe répéter, R-E, accent aigu, P-E, accent grave, T-E, très bien, Ice Cube, je ne suis pas un homme. Ah, ben c'est pas grave. Ah oui, ça c'est des discussions très intéressantes. Excusez-moi, je continue avec ma chanson. Ah, c'est clair. Personne ne pense que vous êtes un homme, Ice Cube. En tout cas, je pense que la grande majorité d'entre nous connaissent. Voilà. Allez, on continue. Vous avez des discussions très intéressantes parfois dans le chat. Et tu verras, mon enfant, il restera pas grand-chose, quelques fous rires et quelques instants de ce bouquet de roses. Alors va et souris, mon enfant, car tu es si jolie, jolie, jolie. Et tu verras, mon enfant, il restera pas grand-chose, quelques fous rires et quelques instants de ce bouquet de roses. Alors va et souris, mon enfant, car tu es si jolie, jolie, jolie. Allez-y.
Allez, les trois choses qui manquaient, c'était le verbe rester qui est au futur. Troisième personne du singulier, c'est restera. R-E-S-T-E-R-A. Ensuite, instant, substantif masculin qui est au pluriel. I-N-S-T-A-N-T-S. Et finalement, rose. Rose, eh bien ici, R-O-S-E-S. Rose, c'est au pluriel ici. Mais c'est un substantif qui est féminin pour votre information. Une rose. La rose. Voilà. Allez, merci beaucoup. Je vous invite à découvrir très sérieusement Christophe Maé. J. Vincent, je me souviens, vous avez parlé de Francis Cabrel. C'est un registre un peu différent, mais il y a toute la poésie de Francis Cabrel et le côté un petit peu très guitare de la chanson et des chansons qu'il fait. Et c'est vraiment très 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 joli à mon avis. Alors, Ice Cubes et Yossi. Yossi, j'avais partagé une reprise de Paradis perdu de Christophe, qui était reprise par Catherine, qui à mon avis était beaucoup plus intéressante que la version originale. Mais oui, oui, Christophe. Mais bon, c'est un peu loin quand même. Hein. Mais qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Merci. Un grand merci à Dynamique 16. Merci. C'est très gentil, Dynamique 16, merci beaucoup. Allez, on y va, le présent du conditionnel, ça continue. Nous sommes maintenant dans le troisième groupe. Nous avons fait le premier groupe, nous avons fait le deuxième groupe. On attaque le troisième groupe et là, bien sûr, il va y avoir plusieurs sous-catégories. Et nous commençons avec la première, le verbe répondre. Le verbe répondre, s'il vous plaît, donnez-moi le singulier répondre. Je, tu, il, elle, on pour le conditionnel présent. Allez-y. Alors, excusez-moi Yessero, je n'avais pas vu Vincent, pourquoi le mot rose est au pluriel? Oui, parce qu'il y a, un bouquet, le concept du bouquet c'est au minimum deux. Et j'aurais tendance à dire trois minimum, c'est-à-dire qu'un bouquet c'est une composition de plusieurs éléments, donc c'est automatiquement au pluriel. Alors là, c'est la même chose. On est d'accord que la seule difficulté, ça va être finalement d'avoir notre radical. Le radical, vous allez prendre votre infinitif, répondre. Le E final, on l'enlève. Et on obtient notre radical. R, E, accent aigu, P, O, N, D, R. Ça, ça va être notre radical, donc la base. D'accord? Et après, comme d'habitude, nous allons mettre après les terminaisons. Donc, comme d'habitude, pour je, eh bien c'est AIS,
je répondrai. Tu, la même terminaison à IS, tu répondrais. Et pour il, elle, on, terminaison à IT, phonétiquement, la même chose, il répondrait, elle répondrait, on répondrait. Donc encore une fois, les mêmes formes que vous prononcez, mais vous écrivez différemment. Je répondrai, tu répondrais, il, elle, on répondrait. S'il vous plaît, donnez-moi le pluriel, P comme pluriel. Nous, vous, il, elle au pluriel, allez-y. Alors je regarde, ça commence à arriver, oui, hein, donc là, pas de problème, on est d'accord, c'est toujours le même radical, répondre sans le E. Donc nous allons mettre les terminaisons, nous répondrions, prononcez bien le I, hein, répondrions, ion, ion, sinon, si vous ne prononcez pas le I, moi j'entends le futur, nous répondrons. D'accord ? C'est la seule différence entre le futur, nous répondrons, et le conditionnel, nous répondrions. D'accord ? Ça, c'est vraiment important. Même chose pour vous. Vous répondriez. I, je dois l'entendre. Futur, vous répondrez. Conditionnel, vous répondriez. Donc il y a vraiment, vraiment une importance très grande dans le « ie », d'accord ? Je le répète, hein, nous répondrions, vous répondriez. Je dois entendre le « ion »,« ie ». Et puis le dernier, comme d'habitude, « a-i-e-n-t », il, elle, répondrait, « a-i-e-n-t », est. Nous répondrions, vous répondriez, il répondrait, elle répondrait, d'accord ? Encore une fois, toutes les formes. Je répondrai, tu répondrais, il, elle, on répondrait, nous répondrions, vous répondriez, il répondrait, elle répondrait. D'accord ? Allez, on y va et on fait l'exercice. Alors, l'exercice de traduction, bien sûr, encore une fois, ça doit être au conditionnel présent et je voudrais des verbes qui se terminent en dre, 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 dre. Regardons ça. Première chose ici, la première phrase. We would quietly go down the rumftar. S'il vous plaît, traduction avec un verbe en dre. Et bien sûr, ce verbe doit être au conditionnel présent. Je vous remercie. Alors, tâche la reine, à quelle heure vous allez terminer? Je veux dire à mes étudiants, aucune idée. On fait les exercices. Je pense que normalement, on a au minimum encore une bonne heure devant nous.
Mais bon, Tage la Reine, pour votre information, c'est tous les jours à la même heure, à l'exception du dimanche, d'accord? Alors ici, oui, hein, c'était le verbe descendre. Le verbe descendre, hein, donc ça c'est pour l'information. Je ne sais pas, Lama posait la question tout à l'heure, hein, mais oui, hein, c'est là que je suis. C'est-à-dire que vous descendez la rue Mouffetard, vous prenez les gobelins vous, avant d'arriver place d'Italie. C'est là que je suis. Donc, avec ma meilleure amie, nous descendrions tranquillement la rue Mouffetard. Le verbe, c'est descendre, nous sommes d'accord. Descendre, nous allons le mettre ici, eh bien, au conditionnel présent. E final disparaît. Nous obtenons notre radical descendre. Et nous mettons la terminaison ion. Hein, encore une fois, vous pouvez me mettre on, pas de problème, mais je préfère que nous travaillions sur le nous. Ça permet de travailler un petit peu sur cette forme. Nous descendrions, l'adverbe tranquillement, ça en général, il n'y avait pas de problème. La rue Mouffetard, une rue vraiment, vraiment sympathique. La rue Mouffetard, si vous ne l'avez pas faite, en montant ou en descendant, une des plus vieilles rues de Paris, est vraiment, vraiment sympathique. Il y a beaucoup de choses à voir et des choses à sentir et des choses à manger dans la rue Mouffetard. Allez, on continue. We would get a kebab in Saint-Michel in the night. Eh oui. S'il vous plaît, un verbe qui se termine en dre et qui doit être au conditionnel présent, s'il vous plaît. Un grand merci à Clara. Merci Clara. Eh oui Clara. Voilà Clara, un feu d'artifice juste pour vous dire merci. Clara m'offre un café et j'aime beaucoup les boissons caféinées avec des bulles ou en général sans bulles. Merci beaucoup Clara, c'est très 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 gentil. Alors, je commence à regarder Alama qui veut que je prenne un taco à Saint-Michel. Mais non. Ah non, Saint-Michel, je prends pas de taco, je prends un kebab, moi. Alors, nous prendrions. Le verbe que nous cherchions, c'était le verbe prendre. Le verbe prendre. Alors, même technique, pour obtenir notre radical, nous allons retirer le E final. P-R-E-N-D-R. Prendre, ça, c'est notre radical. Et donc, bien évidemment, on travaille sur le nous, terminaison I-O-N-S. Nous prendrions un kebab à Saint-Michel dans la nuit ou la nuit, si vous voulez. Effectivement, je vous invite à aller du côté de Saint-Michel la nuit. Il y a mon kebab préféré. Je dois dire qu'il est formidable ce kebab. «
Allez, numéro 3, we would learn to enjoy beer without alcohol. Eh oui. We would learn to enjoy beer without alcohol. S'il vous plaît, traduction avec un verbe en dre et au conditionnel présent. Allez-y. Ah oui, effectivement, Leslie, oui. J'ai vu votre phrase, il manque un R, c'est vrai. Excusez-moi, c'était prendrion, nous sommes d'accord. Oui, parce que la pendre, c'est un petit peu étrange. Pardon, merci beaucoup, Leslie, oui. Alors attendez, juste, parce qu'effectivement, Leslie avait tout à fait raison, hein, regardez, quand j'avais préparé, voilà, hein, donc il y a vraiment Leslie, c'était, vous aviez raison, donc c'était avec le R, hein, nous prendrions un kebab, donc avec le R, merci. Alors là, on regarde. Donc, on regarde. Ici, l'idée... Maintenant, je suis stressé. Normalement, il n'y a pas d'erreur, mais bon, c'est possible. Donc, ici, le verbe, c'est apprendre. D'accord ? Même groupe, même fonctionnement pour la construction du radical. Le E final, choup, on l'enlève et on met I-O-N-S. D'accord ? Nous apprendrions... Et puis après, le reste, à profiter, apprécier, déguster, pourquoi pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Aimer, oui. Donc ça, tout ça, on accepte. Moi, j'avais mis apprécier, mais apprécier, profiter, déguster, aimer, là, il n'y a pas de problème. La bière sans alcool, très bien. Johanna, pas de majuscule de R. Non, mais non, c'est pour montrer. C'est le concept. Alors, la phrase, nous apprendrions à apprécier la bière sans alcool. Merci. Alors, écoutez bien, vous le savez peut-être, c'est notre exercice dans lequel, je vais vous prononcer une seule fois un mot et vous allez l'écrire. Vous écrirez le mot que vous entendez, vous n'écrirez pas, s'il vous plaît, la lettre. Attention, je le prononce idiotie. Allez-y. Alors, je regarde. Oui, c'est très bien écrit, effectivement. Donc, c'était le premier, hein. Idiotie. Hein, on prononce vraiment si. Alors, on va voir les deux. Le premier,
que vous deviez trouver et que vous avez trouvé. S'il vous plaît, écrivez, hein, écrivez les mots, c'est toujours un bon exercice. Donc, idiotie, vous l'écrivez, I-D-I-O-T-I-E, et donc on le prononce si, idiotie. Ensuite, le B, c'était idiotisme, d'accord ? Le A, idiotie, et le B, idiotisme. Je vois Ice Cube qui dit mais le coca c'est pas bon pour la santé. Mais si, c'est de l'aspartame, hein. C'est pas du sucre. Ah bah oui, mais après, qu'est-ce que je peux boire si je ne peux plus boire ça? Il reste l'eau, mais l'eau c'est un peu triste quand même, je dois dire. Allez, le numéro 2, on y va, c'est la même chose, je vais vous le prononcer une seule fois, et c'est inapte. Luciana Levin, mais non ! Ah mais non, c'est le concept ! Le concept, c'est... Ah non, c'est zéro, zéro alcool maintenant, zéro, zéro. Allez, on était à la recherche d'inapte ici. Effectivement, c'était le premier, I-N-A-P-T-E. Et c'est très bien écrit, vous l'avez, donc pas de problème. Alors oui, même chose, hein, je vais vous prononcer les deux. Le premier, inapte, d'accord, et le deuxième, inepte. Inapte, inepte. Et voilà, donc là c'était bien, il n'y avait pas de, problème. On y va, numéro 3, même chose, je le prononce une seule fois, infesté. Ice Cube, c'est l'eau minérale avec un peu de citron. Mais ça va, j'ai ma boisson. J'ai besoin, je pense, de la caféine qu'il y a dans cette boisson caféinée avec les bulles. J'aime bien les bulles quand même. Allez, on regarde. Et ici, c'était, eh bien, infesté, I-N-F-E-S-T-E. Donc, les deux sont assez proches. Infecté, le premier, le A, infecté, et le deuxième, le B, infesté. D'accord ? Infecté, infesté. Voilà, on continue avec le numéro 4. Le numéro 4, même chose, je le prononce une seule fois. Intégrale. Allez-y. Liliana, bon appétit. Non, je ne mange pas. Je bois ma boisson à bulles. Je ne mange pas, Liliana. Alors ici, on était à la recherche d'intégrale. Oui, donc I-N-T-E accent aigu, G-R-A-L-E.
L. Donc je vais vous prononcer les deux pour que ce soit bien clair. Le premier, intégral. Le deuxième, intègre. Intégral, intègre. Intégral, intègre. Voilà. Allez, le dernier, numéro 5. Attention, attention. Explosion. Allez-y. Alors oui, hein, c'est clair pour tout le monde et c'est très bien effectivement. Donc c'était le deuxième et c'était explosion, E-X-P-L-O-S-I-O-N. C'était bien écrit. Donc juste pour la prononciation, pour que ce soit clair, le premier, implosion nasale, 1-1-1, implosion. Et le deuxième, explosion, implosion, explosion. Eh bien voilà, merci beaucoup. Allez, continuons avec notre mission du jour. Notre mission du jour, c'est le présent du conditionnel. Nous sommes toujours dans le troisième groupe. Troisième groupe avec le verbe connaître. S'il vous plaît, singulier, donnez-moi je, tu, il, elle, on pour le verbe connaître au conditionnel présent. Alors, regardons, oui, c'est bien ce que vous écrivez. Donc, une petite chose, qui n'est pas très très importante, mais bon. J'ai noté les formes avec l'accent circonflexe, d'accord ? Tout simplement parce que moi, quand j'étais jeune, c'est comme ça qu'on m'a appris avec le circonflexe. Il y a eu une réforme de l'orthographe. Et donc, actuellement, ça n'est pas nécessaire de mettre le circonflexe ici. Mais je le garde juste pour vous, c'est-à-dire si vous voyez le circonflexe, ça veut dire que, eh bien, il y a des personnes d'une certaine génération qui continuent à mettre le circonflexe, mais finalement, ça n'est pas nécessaire, d'accord ? Donc, avec le circonflexe ou sans le circonflexe, c'est votre décision et franchement, ça n'est pas très, très grave. En tout cas, la construction, c'est toujours la même. Le E final de connaître disparaît. Vous obtenez votre radical connaître, C-O-N-N-A-I-T-R. Ça, c'est le radical. Et après, vous mettez vos terminaisons. A-I-S pour je connaîtrai. A-I-S pour tu connaîtrais. A-I-T pour il, elle, on. Il connaîtrait, elle connaîtrait, on connaîtrait.
d'accord, même forme phonétique, je connaîtrais, tu connaîtrais, il connaîtrait, elle connaîtrait, on connaîtrait. S'il vous plaît, donnez-moi le pluriel, nous, vous, il, elle, au pluriel. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, je regarde, ça commence à arriver, oui, hein, donc c'est exactement la même chose. Donc, pour nous, nous sommes d'accord qu'on aura la terminaison habituelle, I-O-N-S, nous connaîtrions, ion-ion, hein, j'insiste, pour vous, I-E-Z, vous connaîtriez, la même chose, pour il, elle, il connaîtrait, elle connaîtrait. Souvenez-vous, A-I-E-N-T, phonétiquement, c'est est, d'accord ? Nous connaîtrions, vous connaîtriez, il connaîtrait, elle connaîtrait. Donc la totalité, je connaîtrais, tu connaîtrais, il connaîtrait, elle connaîtrait, on connaîtrait, nous connaîtrions, vous connaîtriez, il connaîtrait, elle connaîtrait. D'accord ? Allez, on va attaquer l'exercice. Alors, traduction encore une fois, donc conditionnel présent pour les verbes en être, nous sommes d'accord. Hein? Donc, première phrase, nous en aurons trois comme d'habitude. He wouldn't know the recipe for this dish. S'il vous plaît, un verbe en être et au conditionnel présent, merci. Alors, Cheryline qui regarde le nombre de likes. Oh, moi, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Ça me stressait. Merci, Cheryline. C'est très gentil de regarder. Bien sûr, si vous n'avez pas encore cliqué sur le like, eh bien, ce serait l'occasion pour dire bonjour, pour dire merci, pour dire ce que vous voulez. Alors, Luciana qui s'inquiète. Un peu de vin, c'est bon pour la santé. Oui, mais j'ai décidé d'arrêter totalement. J'ai décidé d'arrêter totalement l'alcool. Et donc, voilà. Et c'est comme ça. Et pourquoi pas, finalement. Alors, regardons ici, oui, hein, donc le verbe, c'est le verbe connaître. Le verbe connaître, même chose pour la construction, le E final doit disparaître. Nous mettons le AIT, il ne connaîtrait pas. La recette, attention, recette, c'est un mot qui est féminin. Hein, donc la recette, et puis pour ce plat, de ce plat, je regarde, alors plat c'est masculin, P-L-A-T, hein, le plat, un plat, donc ici démonstratif, ça doit être le masculin, ce plat. Il ne connaîtrait pas la recette de ce plat, il ne connaîtrait pas la recette pour ce plat, oui pourquoi pas, je pourrais l'accepter, Alberto, pas cet plat, hein, surtout pas ce
plat, d'accord, et puis recette, voilà. Allez, on continue avec le deuxième. She wouldn't recognize me. S'il vous plaît, un verbe qui doit se terminer en A-I-T-R-E et le conditionnel présent. Alors, Victoria Posé qui supporte, qui dit non, pas d'alcool, oui au sport. Eh bien voilà. Eh bien voilà, c'est ça l'idée. C'était ça justement l'idée. Alors voilà, regardez, le verbe c'est reconnaître, reconnaître, même chose ici, troisième personne du singulier, reconnaîtrait. Alors, elle ne reconnaîtrait pas, ça, ça va être la première forme. Mais ici, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On doit mettre le pronom, et le pronom, bien sûr, doit être avant le verbe. C'est toujours comme ça en français, les pronoms... avant le verbe. Donc, elle me reconnaîtrait. Elle te reconnaîtrait. Elle le reconnaîtrait. Elle la reconnaîtrait. Elle nous reconnaîtrait. Elle vous reconnaîtrait. Elle les reconnaîtrait. Donc ça, ça va être notre pronom. Le pronom, il doit toujours être avant le verbe. D'accord. Si vous mettez la négation... on ne touche pas à cette relation sacrée entre le pronom et le verbe. Donc, la négation viendra avant le pronom et après le verbe. D'accord ? Elle, sujet. Ne, négation. Me reconnaîtra, pronom, verbe. Pas à la fin. Elle ne me reconnaîtra pas. Allez, on y va. Numéro 3. The sadness would disappear in a second. Pif, comme ça. Eh oui, s'il vous plaît, un verbe en être et le conditionnel présent. Alors, Renato doit nous quitter. Au revoir, Renato, et à bientôt. Alors, ici, bah, c'était de la traduction directe. Hein, donc, la tristesse, tristesse, bah, vous l'écrivez bien, c'est féminin, tristesse. Le verbe, c'est disparaître. Même chose hein, en être. Le E, vous l'enlevez, vous mettez la terminaison A-I-T. Disparaîtrait. Après, en une seconde, en général, c'est l'expression, Cheryline, dans une seconde. Bon, on comprend, mais ce n'est pas vraiment l'expression. Dans une seconde, c'est un petit peu différent. Je vais vous expliquer, Cheryline. En une seconde, c'est le temps nécessaire pour faire quelque chose, pour que l'action se réalise. D'accord ? Par exemple, je fais cet exercice en une minute. Si vous me dites... je fais cet exercice dans une minute, je comprends que maintenant je ne peux pas, mais dans une minute, je pourrais. D'accord ? C'est ça la différence. Hein ? Donc ici, ce serait plutôt en une
secondes, d'accord? Donc, la durée nécessaire pour que cette chose arrive. La tristesse disparaîtrait en une seconde. Voilà. Merci beaucoup. Allez, bien sûr, elle doit arriver. Elle doit arriver, la dictée de nombre. La dictée de nombre. Alors là, bien sûr, j'ai fait le cours en français, mais je vais vous faire une dictée de nombre qui va être un petit peu plus tranquille que les dernières fois. Donc je vais lire deux fois. Et puis je vais lire assez tranquillement. D'accord ? Comme ça, Johanna ne sera pas frustrée ou énervée. La dictée de nombre, nous commençons bien sûr avec le premier. Et c'est un chiffre. Un chiffre, on y va. Alors par contre, bon, un chiffre, je vais le lire une seule fois. Ça, je pense que c'est raisonnable. 1. Alors, le travail appelle Gloria. Elle a entendu les voix. Gloria, viens travailler. Au revoir, Gloria. Très bien, Yesero nous quitte aussi. Allez, on y va. Le premier, bah, c'était 1. Là, je pense que tout va bien. Je ne voulais pas vous stresser. Donc ça, ça doit être assez clair. On attaque avec le numéro 2. Le numéro 2, bien sûr, deux chiffres. Je vais lire deux fois et calmement. 92... 92. Ah très bien, Yesero qui dit « Mais non, je suis encore ici !» Ah non, j'ai vu Yesero, j'ai vu « Au revoir Yesero !» Je me dirais « Ah tiens, Yesero s'en va, très bien, très bien !» Alors ici, effectivement, donc 92, hein, tout le monde l'a bien écrit, 9 et 2, pas de problème. On y va pour le numéro 3. Le numéro 3, eh bien, c'est 3 chiffres et je vais bien sûr le lire deux fois. 278. 278.
Alors ici, oui, c'était clair, hein, 278, 2, 7 et 8, 278, très bien. Alors, Johanna qui dit que je le fais mieux là, oui, oui, mais clairement, là, je vous parle comme personne ne va vous parler en France. Donc, c'est normal, et c'est pour ça que je fais différents niveaux. Parce que le niveau d'hier, c'était la vitesse à laquelle les Français vont vous annoncer leurs chiffres. Allez, quatrième chose, la voici, la voilà. Quatre chiffres et quatre chiffres que je vais prononcer deux fois. 3334. 3334. Allez-y. Alors, Cassandra aime bien la musique, et ben moi aussi, j'essaye de changer de style de temps en temps. Oh, le gars qui dit « Yeehaw !» Allez, on regarde ensemble. Et donc ici, c'était 3334. 3, 3, 3 et 4. On continue avec le numéro 5. Le numéro 5, eh bien, c'est 5 chiffres. 5 chiffres que je vais lire deux fois. 79 316. 79 316. J'aime bien Cherylyn. Les petites icônes, c'est sympathique, effectivement. Est-ce qu'il faut mettre des bottes et commencer à danser? Alors ici, c'était 79 316, 7, 9, 3, 1, 6, 79 316. On continue avec le numéro 6. Le numéro 6, eh bien, il y a bien sûr 6 chiffres. 6 chiffres, je vais les lire deux fois. Attention, attention. 564 120. 564 120. Allez-y. Alors, regardons ensemble ici. Donc, la première partie, 564, 5, 6, 4, 1000. 120, 1, 2, 0. 120, 1, 2, 0. 564, 1000, 120. 5, 6, 4, 1, 2, 0.
Allez, on continue. Numéro 7. Numéro 7, eh bien, voici, voilà, c'est le million. Attention, attention. 5 554 387. 5 554 387. Allez-y. Alors là, il y a plein de commentaires. Je ne sais pas ce qui se passe. Victoria qui dit « La musique donne envie de danser !» Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et puis Ice Cube qui dit « Vincent, 120 !» Oui, c'est vrai. Oh, elle est très intelligente, cette Ice Cube. Alors, Rice Cassidy, oui, mais demain, Rice Cassidy, demain, ce sera plus rapide, et après-demain, ce sera plus rapide. Je dois alterner, je dois adapter. Tout le monde veut quelque chose de personnalisé, mais je fais le maximum. Allez, on regarde ensemble la première chose. Donc, 5 millions, après 500 54 554 et finalement 387 387. 5 554 387. 5 554 387. Merci beaucoup. Alors, J. Vincent, oui, ce ne sont pas des styles musicaux traditionnels en France, donc c'est difficile de comparer. Oh. Allez, le présent du conditionnel, c'est le fil rouge et nous continuons. Je vous torture avec ça, mais c'est important, les verbes irréguliers du troisième groupe. Et maintenant, c'est le verbe conduire. Le verbe conduire, s'il vous plaît, au singulier, j'attends avec impatience les trois premières formes. Je, tu, il, elle, on. Allez-y. Alors, Chérilyne, les numéros de téléphone, eh oui. On avait fait les numéros de téléphone à une période. Et quand j'avais fait les numéros de téléphone, on m'avait demandé des numéros à 3 chiffres, à 4 chiffres. Donc maintenant, je fais les numéros à 3 chiffres et 4 chiffres. Et bien sûr, je pourrais faire des numéros de téléphone aussi. Mais on va me demander des chiffres à 3. C'est sans fin. Allez, on y va directement. Le verbe conduire. Donc là maintenant, comme on a déjà
On en a fait beaucoup, donc maintenant on est prêt. J'explique plus, tout est clair. Je conduirai AIS, tu conduirais AIS, il, elle conduirait AIT. Hein, c'est clair. Vous enlevez le E à la fin de conduire, vous avez le radical et ça, c'est comme ça. Pluriel, donnez-moi s'il vous plaît, nous, vous, il ou elle. Allez-y. Et maintenant, il y a aussi qui dit « Où sont les dictées de phrases ?» J'essaye d'alterner pour faire plaisir à tout le monde. Alors, on y va. Les dictées de phrases, Yossi et Johanna, si vous avez remarqué, nous les faisons quand nous faisons les bonnes manières. Et c'est ce qui va arriver dans quelques minutes. Et je comprends votre impatience. C'est une bonne chose, mais ne soyez pas trop impatients. Hier, on a fait des dictées de phrases avec les bonnes manières. Et nous allons les faire aujourd'hui aussi avec la politesse et les bonnes manières. Souvenez-vous que ce sont des dictées de phrases, même si je ne les ai pas nommées comme ça. Mais voilà. Nous conduirions, c'est la première forme. Vous conduiriez, c'est la deuxième forme. Et pluriel, il conduirait, elle conduirait. Voilà. Donc encore une fois, je conduirais. Tu conduirais, il, elle conduirait, nous conduirions, vous conduiriez, il conduirait, elle conduirait. Yossi, nous avons fait des dictées hier. Les bonnes manières et la politesse, c'est clairement des dictées. Je ne sais pas comment vous voulez comment vous voulez les nommer autrement. Allez, traduction s'il vous plaît, conditionnel présent des verbes en « huir ». Alors, je crois que je vais arrêter de regarder. Numéro 1. We would drive through the streets of Paris at night. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et là, ce sera formidable. S'il vous plaît, un verbe en « huir » et un verbe au conditionnel présent. Merci. Vous savez, Johanna, mes étudiants à l'université ne sont pas aussi demandants que vous. Et en général, ils respectent la qualité de ce que je leur propose. Allez, regardons ensemble. Le verbe, c'était effectivement le verbe conduire. Le verbe conduire, eh ben, l'idée pour avoir notre radical, encore une fois, le E final, on l'enlève et on rajoute notre terminaison IONS. Nous obtenons, nous conduirions comme forme. Et puis après, dans les rues, hein, dans les rues, ben là, normalement, faites attention, c'est pas vraiment sur les rues, hein, mais c'est vraiment dans les rues. Souvenez-vous que le concept de rue est un concept assez intéressant parce que il y a la rue et la rue va être composée de la route, le trottoir sur les côtés et les bâtiments. Et ça, c'est une rue. Et donc, c'est pour ça que nous utilisons la préposition dans.
dans la rue parce qu'on a le sentiment que c'est la route, le trottoir et les bâtiments. Si vous parlez uniquement de la route, dans ce cas-là, effectivement, la préposition va être sur la route. Parce que c'est logique, c'est uniquement la route et c'est sur la route. Mais si nous parlons de la rue, souvenez-vous, la route, les trottoirs, les bâtiments, donc la préposition c'est dans la rue. Et là c'est le pluriel, dans les rues avec un S, et c'est la nuit. Oui, ça va être de la trottinette, ça c'est pour les personnes intéressées, trottinette en pleine nuit à Paris. Alors ça, je vous assure que c'est quelque chose qu'il faut faire absolument. Numéro 2. We would produce original videos of Paris. S'il vous plaît, je veux un verbe qui finit en à votre avis. À votre avis quoi? Et au conditionnel présent, allez-y. Alors le verbe c'est produire, hein, produire, encore une fois, le E final disparaît, vous mettez la terminaison I-O-N-S et vous obtenez nous produirions des vidéos, effectivement. Alors en français, on va mettre un accent aigu, si vous ne le mettez pas, ça n'est pas la fin du monde. Le mot vidéo, c'est un mot féminin. Une vidéo, et donc notre adjectif original doit être bien évidemment au féminin. Pluriel, O-R-I-G-I-N-A-L-E-S. Et puis, de Paris, nous produirions des vidéos originales de Paris. Eh oui, et ça va être bien. Numéro 3, we would destroy all the bad memories we have. S'il vous plaît, allez-y, souvenez-vous des règles. Alors, Yona pose la question avec authentique. Non, parce que le concept est différent. Authentique ou original, c'est différent. Original, c'est quelque chose qui sort des idées préconçues. Authentique, donc la notion d'authentique et original en français, c'est assez différent. Alors Yossi, c'est intéressant parce que le mot vidéo est féminin et le mot audio est masculin. Oui, 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 c'est assez étrange d'ailleurs.
Alors, regardons ensemble. Je voulais plutôt qu'on utilise le verbe détruire, puisqu'il fait partie de la catégorie en huir que nous avions vu précédemment. Donc, le même concept, vous enlevez le E final et vous mettez la terminaison I-O-N-S. Nous détruirions. Ensuite, mauvais souvenir. Souvenir, c'est masculin. C'est masculin et c'est pluriel. Donc, notre adjectif mauvais doit être au masculin pluriel, M-A-U-V-A-I-S. Voilà, que nous avons, je regarde ce que vous m'avez écrit. Non, c'est bien, oui. Faites attention parce que le mot mémoire en français n'est absolument pas la traduction de memories. La mémoire, c'est la capacité que j'ai à me souvenir de quelque chose. Vraiment, souvenir, c'est ça. C'est-à-dire que les souvenirs... Ah tiens, je me souviens, hein, pensez au verbe, se souvenir, substantif, un souvenir. Voilà, merci beaucoup. Ah, on a envie de danser là, non ? Allez, c'est la dernière partie avec le présent du conditionnel et après, les choses seront normalement assez claires. Et bien sûr, toujours les verbes irréguliers, le verbe ce sera mettre. Regardez, singulier, donnez-moi s'il vous plaît, je, tu, il, elle. On va le faire rapidement maintenant. Eh oui. Alors Patrick, je sais que les Françaises adorent les Irlandais. Très bien. Moi j'ai des bons amis irlandais. C'est vrai que les Français et les Irlandais, la relation est très très bonne. Hein. Allez, si on est d'accord qu'ici, effectivement, c'est la même chose, E final disparaît, nous avons notre radical mettre et nous mettons la terminaison, je mettrai AIS, tu mettrais AIS, il, elle mettrait AIT, je mettrai, tu mettrais, il, elle, on mettrait. S'il vous plaît, donnez-moi le pluriel, merci. Alors oui, c'est très bien, effectivement, terminaison pour nous, I-O-N-S, nous mettrions, terminaison pour vous, I-E-Z, vous mettriez, terminaison pour il, elle, A-I-E-N-T, il mettrait, elle mettrait, je mettrais, tu mettrais, il, elle, on mettrait, nous mettrions, vous mettriez, il, elle, on mettrait. Allez, on avance, on avance. Et
Et la même chose, dernier exercice concernant la traduction et le conditionnel présent, donc les verbes en tre. Encore une fois, s'il vous plaît, première phrase. It would take us a long time to find the best millefeuille in Paris. S'il vous plaît, traduction, je veux un verbe en tre et le conditionnel présent, allez-y. Alors, je regarde. Bon, personnellement, j'avais envie d'utiliser l'expression maître du temps, mais donc de le mettre encore une fois avec nous, hein. Effectivement, pour voir un peu comment vous pourriez le mettre. Donc moi, je dis, nous mettrions du temps pour trouver le meilleur millefeuille à Paris. Cosmina, il nous prendrait beaucoup de temps. Ouais, à la place du il, Cosmina, il faudrait mettre un ça plutôt. Cela ou ça. Donc ça nous prendrait beaucoup de temps. Et là, je dis d'accord. Cela, si c'est une forme plus un petit peu plus formelle. Hein. Julia, ça nous prendrait. La même chose, allez sur ça. Yossi l'avait mis, c'est bien. Luciana, il nous faudrait peut-être beaucoup de temps. Ouais, mettez le nous. Il nous faudrait. Et là, ce serait parfait. Yossi, ça nous prendrait, d'accord. Faites attention, millefeuille, c'est masculin. Donc, c'est le meilleur. Hein. Donc, pas de E à la fin de meilleur, hein, puisque millefeuille, c'est monsieur. Monsieur millefeuille. Patrick, il nous prendrait un long temps, pas vraiment. Il nous faudrait beaucoup de temps. Ça nous prendrait beaucoup de temps. Cosmina qui change le meilleur gâteau nommé millefeuille. c'est vrai, le fameux. Victoria qui pensait, il nous prendrait. Oui, ça nous prendrait. La forme « il nous prendrait », ça fait un petit peu trop dépassé maintenant, c'est ancien. Même chose pour Leslie, faites attention. Donc, soit vous utilisez « nous mettrions du temps »,« nous prendrions du temps »,« il nous faudrait du temps »,« ça nous prendrait du temps ». Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je regarde. Non, après, c'est pas trop mal, effectivement. Allez, deuxième chose. We would admit that our feet hurt from walking. S'il vous plaît, traduction avec bien sûr, le conditionnel présent. Alors, Julia, le meilleur millefeuille de Paris ou le meilleur millefeuille à Paris? Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Si vous dites le meilleur millefeuille de Paris, j'imagine que c'est la ville de Paris qui a le meilleur millefeuille. Si vous dites le meilleur millefeuille à Paris, là, il y a la dimension plutôt géographique, c'est-à-dire le meilleur millefeuille à Paris ou à Lyon, à Orléans. C'est un tout petit peu différent, mais les deux sont possibles. Thank you.
Ice Cube a mis le feuille avec une moustache. Qu'est-ce qui se passe, Ice Cube, aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Un millefeuille avec une moustache. Denise nous rejoint. Bonjour Denise. Denise, c'est mystérieux. Ice Cube nous parle d'un millefeuille avec une moustache. Je ne comprends pas. Allez, le verbe ici, ce serait admettre que l'on va mettre au conditionnel présent. Donc le « e » doit disparaître de notre infinitif et puis on met la terminaison « ions ». Nous admettrions avoir mal aux pieds à force de marcher. Nous admettrions avoir mal aux pieds à force de marcher. Allez, le troisième. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de millefeuille avec moustache? We would fight our desire to drink champagne. Eh oui, c'est ça le plus difficile finalement. C'est ça le plus difficile. Traduction s'il vous plaît au conditionnel présent. Merci. Alors, Cherylyn doit reconnaître que le clavier de son portable n'aime pas le conditionnel. Il veut toujours changer ce que je tape. D'accord, peut-être qu'il y a une sorte de blocage. Le conditionnel, c'est la possibilité. C'est le rêve, finalement. C'est quelque chose qui pourrait arriver. Peut-être, Cherylyn, que votre clavier ne veut pas vous laisser rêver. Et ça, c'est dommage. Allez, ici, c'était le verbe combattre. Combattre, ça, c'était le verbe que je voulais que vous trouviez. Le verbe combattre avec ici, bien sûr, vous enlevez le E, vous mettez la terminaison IONS. Nous combattrions notre désir. Désir, on l'écrit D-E-S-I-R-E. D-E accent aigu, S-I-R. Hein. Donc c'est masculin, un désir, parce que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui l'avait écrit avec un E. Non, 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 attention, notre désir, D-E accent aigu, S-I-R. Et puis, boire du champagne, effectivement. Ça, c'est comme boire Monsieur Champagne, nous dit Ice Cubes. Ice Cubes est en forme et ça fait plaisir à voir. Je dis bravo! Ah ben quel dommage, Julia qui nous dit, ben pas pour moi, parce que je n'aime pas le champagne. Allez, la politesse et les bonnes manières. Alors effectivement, c'est pour vous présenter la politesse sous forme de dictée. Mais apparemment, les gens ne considèrent pas que ce sont des dictées. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est si ça n'est pas une dictée. On y va avec la première phrase. Ne vous embrassez pas trop fougueusement dans un lieu public. Ne vous embrassez pas trop fougueusement dans un lieu public. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent et la phrase, c'est une dictée. Alors Denise, ne bois pas d'alcool, vous n'aimez pas le goût du champagne. Oh, c'est pas mal quand même, non? C'est un petit peu brut, c'est pas trop doux, c'est quelque chose d'assez frais. Les bulles, vous n'aimez pas les bulles, Denise? C'est pas mal.
Alors ici, hein, effectivement, donc bon, le verbe c'est embrasser. Hein, ne vous embrassez pas trop. L'adverbe. Hein, l'adverbe c'est fougueusement. Fougueusement qui vient de l'adjectif fougueux, fougueuse, fougueusement. F-O-U-G-U-E-U-S-E-M-E-N-T. Très bien. Et puis, public, hein, souvenez-vous que c'est P-U-B-L-I-C. Ne vous embrassez pas trop fougueusement dans un lieu public. Denise, vous êtes prof. Est-ce que ça, rassurez-moi, c'est ce qu'on appelle une dictée, non? Je ne sais pas. Allez, on y va. Numéro 2. Numéro 2, on y va. L'homme doit suivre la femme en montant l'escalier. L'homme doit suivre la femme en montant l'escalier. Allez-y. Julia, j'adore les bulles de neige. Mais non, c'est pas des bulles. Ça n'est pas des bulles de neige, c'est des boules de neige. C'est peut-être un nouveau concept. Ça, c'est un nouveau concept, les bulles de neige. Alors voilà, donc ça c'est une règle assez importante, hein, puisqu'effectivement l'homme ne doit pas précéder la femme, mais doit être derrière la femme. Quand on monte les escaliers, bien sûr, si la femme tombe, l'homme peut éventuellement l'aider. Alors, l'homme doit suivre, hein, donc le verbe c'est devoir. Le verbe devoir, eh bien, c'est ici conjugué à la troisième personne du singulier, D-O-I-T. Et puis montant, alors montant, souvenez-vous, hein, le verbe c'est monter, participe présent montant, avec la préposition en, vous les combinez, vous obtenez le gérondif pour expliquer deux actions simultanées. En montant, escalier c'est masculin et c'est E-S-C-A-L-I-E-R, un escalier. Allez, on continue avec la troisième chose, et alors attention, ça, c'est intéressant. L'homme doit précéder la femme en descendant l'escalier. L'homme doit précéder la femme en descendant l'escalier. Allez-y. J'y Vincent, chaque homme doit suivre chaque femme dans les escaliers, stalkers, mais non! Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, Olga, oui, c'est ça, hein, c'est le concept, c'est le même concept finalement. Donc ici, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'homme doit précéder la femme quand il descend, parce que si la femme tombe, l'homme peut l'aider. Ici, donc, précéder, infinitif, P-R-E-C-E-D-E-R. C'est toujours le verbe devoir conjugué, troisième personne du singulier, D-O-I-T. Et puis, même chose, hein, le verbe c'est descendre, participe présent, descendant, combiné avec la préposition en, vous obtenez le gérondif, en
descendant. L'homme doit précéder la femme en descendant un escalier. Donc si on monte, l'homme est derrière la femme. Si on descend, l'homme est devant la femme. Ça, c'est les règles. Allez, on continue avec la quatrième chose. La quatrième chose. Après un rendez-vous, remerciez la personne qui s'est déplacée. Après un rendez-vous, remerciez la personne qui s'est déplacée. Alors Denise, imaginez dans un centre commercial, ça fonctionne aussi avec les escaliers mécaniques. Oui! Alors Yossi, sur une route plate, c'est toujours pareil. C'est la femme qui commande, donc c'est la femme qui est en première position. Hein. Alors, regardons maintenant après un rendez-vous. Bon, bah, ça, normalement, c'est pas très compliqué. Souvenez-vous, si vous avez l'accent grave sur votre clavier, après, il y a un accent grave. Remercier, donc c'est le verbe remercier qui est encore une fois à l'impératif puisque c'est un conseil. R-E-M-E-R-C-I-E-Z. Et puis déplacer ici, hein, on va le mettre au féminin puisque effectivement c'est lié directement à la personne. La personne qui s'est déplacée, D-E, accent aigu, P-L-A-C-E, accent aigu, E. D'accord ? Allez, numéro 5. Numéro 5. Ne soutenez pas trop votre regard. Ne soutenez pas trop votre regard. Allez-y. Alors, excusez-moi, Yasmine m'avait appelé. Elle a compris rapidement que ça n'était pas le bon moment. Alors ici, c'est le verbe soutenir, hein, le verbe soutenir, effectivement, que vous mettez, et ben encore une fois, l'impératif, deuxième personne du pluriel, soutenez, et vous l'écrivez S-O-U-T-E-N-E-Z, et puis regard, c'est masculin, alors là, c'est pas vraiment important, mais c'est pour votre information, R-E-G-A-R-D, un regard, le regard. Et ça, effectivement, c'est assez important parce que ça peut être un peu bizarre, spécialement si vous prenez le métro à Paris. Ne regardez pas les gens dans les yeux trop longtemps. On évite les situations délicates. Et oui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons atteint les 100 likes. Et ça, c'est pas mal quand même. Ça, c'est une bonne chose. Donc, merci beaucoup. C'est très, très gentil. Allez, on continue.
Alors, on y arrive. On y arrive, finalement. C'était long, mais on a fait le conditionnel présent. J'avais envie d'être assez systématique, sérieux, avec le conditionnel présent. Vous voyez que le conditionnel présent, ça nous a pris 2h30 pour faire tous les exercices. Mais c'est pas mal. Au moins, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Maintenant, comme d'habitude, on va finir avec ça, avec le petit cadeau, et ça c'est important. Donc vous avez la possibilité de gagner l'accès à la plateforme frenchformi.net, d'accord. L'idée c'est que, bien sûr, je l'explique encore, les personnes qui ont déjà gagné quelque chose, bon, ne participent pas, les personnes comme Denise, désolé, rien de personnel Denise, mais bon, les personnes qui sont francophones et qui n'apprennent pas le français, on va dire, ne participent pas non plus, merci beaucoup. C'est pour les personnes qui ont envie d'apprendre le français. Donc, les règles sont simples, d'accord. Vous allez choisir un nombre de 1 à 100. Moi, je vais choisir le mien. Je vais le noter ici. Comme ça, ce sera clair pour tout le monde. Vous allez me proposer une seule... vous allez me faire une seule proposition. D'accord. Et puis, la personne qui le trouve, eh bien, gagnera l'accès à la plateforme. Voilà. Alors, je regarde. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Alors, attendez, je vais le mettre ici. Oui. Ça y est, je l'ai noté. Attention. Donc, bien sûr, moi, je vous souhaite bonne chance parce que j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse gagner. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps! Donc, s'il vous plaît, une seule proposition par personne, et puis bah écoutez, bonne chance et allez-y. Alors, Denise qui dit je ne devine pas, je ne gagne pas. Non, c'était pas ça de toute façon. Oh,
finalement, c'est incroyable, ça fait déjà quelques cours que nous avons fait et il n'y avait personne qui a gagné, mais aujourd'hui, youpi, regardez, Sally, est-ce que Sally, vous êtes là? Sally! Oui, Sally! Oh, aïe. Alors, Sally Clayton a trouvé, effectivement, youpi. Alors, c'est à l'envers, hein, bien sûr, parce que c'est avec la caméra. Mais vous avez trouvé 63, Sally. Est-ce que Sally Clayton, vous êtes toujours là? S'il vous plaît, Sally, dites que vous êtes là. Moi, j'ai envie qu'il y ait quelqu'un qui gagne, bien sûr. Sally, s'il vous plaît. Alors, dites-moi, vous êtes là, écrivez « Oui, je suis là ». Et ça me fera plaisir. Sally, encore une fois, bravo. Alors, Denise qui dit des bulles, eh bien non, Denise, parce que moi, c'est fini, les bulles. Tout, c'est fini, plus de bulles. Enfin, les bulles, si, les bulles caféinées. Alors, Sally, bravo, Sally. Sally, les choses sont très, très simples, vous allez voir. Vous allez sur le site, la plateforme frenchforme.net, d'accord ? Vous allez vous enregistrer, créer votre profil, voilà. Ensuite, vous allez m'envoyer un mail à youpi@fluentoplus.com et vous me dites « Bonjour Vincent, c'est moi, c'est Sally, j'ai gagné et je vous donnerai l'accès à tous les cours que j'ai préparés sur la plateforme. Bravo, Sally. Et par contre, il faut continuer à participer aux cours pour faire les exercices avec nous, parce que c'est la meilleure technique quand même pour progresser. Voilà, eh bien écoutez, je suis content. Ça fait tellement longtemps. Ça fait longtemps qu'il y avait quelqu'un qui avait gagné. Merci beaucoup en tout cas. C'était Olga, c'était 63. Olga, 63, c'était effectivement notre nombre magique aujourd'hui. Merci Denise, c'est gentil. Allez, souvenez-vous, ça continue demain. Cette semaine, c'est une semaine où on fait des exercices systématiques sur les temps parce que j'ai envie qu'on les maîtrise parfaitement. Voilà, n'oubliez pas la phrase à méditer. On ne manque pas de compagnons pour manger et pour boire. Mais pour les choses sérieuses, on en trouve beaucoup moins. Merci beaucoup, je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.